Bonjour, bonsoir, c'est Zamo Wandesto TV qui vient avec une nouvelle vidéo pour nous montrer. Donc, il faut que ce soit nous allons utiliser un paquet d'amis qui m'a donné, donc nous sommes obligés de faire le bouillon. Donc, comment nous capables de faire pour utiliser ou bien calculer à partir de fonctions recherche V? Ok? Fonction recherche V. Donc, li facile, li simple, donc V veut dire vertical. Donc, à partir de l'exercice, ça nous va le montrer parce qu'il y a plusieurs astuces là-dedans. On va rechercher sous plusieurs valeurs. Ou bien, si on se va, ça va demander ça, Yomando, pour faire. Donc, on allait. Donc, en suivant là pour nous, nous gagnons une série de produits, mes codes produits, mes quantités. Mais prix en grain coûté. Donc là où elle est marquée laptop, où est 22,50 dollars. Là où est 22,50 dollars. Là, il n'y a pas de problème. Donc ça partit de recherche VA. Lorsque moi mettez non produit là, donc prix doit monter là. Ok? Donc par exemple, si mettez souris. Donc là tout l'argent t'as supposé monter là donc après moi faire le manuel avant que moi entre directement dans formule où t'as après 7,60 dollars donc c'est comme ça nous va le faire on fait exercice là donc li facile li simple avec Wandesto TV donc ou même qui pourquoi abonner fait ça qu'on a activer cloche notification pour pas rater yon dans vidéo nous. Donc, c'est parti. Donc, et pas oublier que moi, pour moi, toujours utilisé version anglais. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, depuis que je me dis, moi, toujours dit anglais, je me dis français. Donc, il y a des gens qui gagnent, c'est comme ça utiliser. Donc, moi-même, en aller. Donc, pas oublier que moi, je dis en Excel, toute formule commence par un signe égal. Ok? Toute formule en Excel commence par un signe égal. Donc, vous mettez signe égal. Donc, même en français, on va marquer recherche V. Donc, moi-même, je vais marquer ça. V. Lookup. De quoi on va appeler tout le monde. Donc, look. To look. Ouais, to look up, on dit rechercher. Donc, VA veut dire rechercher V. Donc, à partir de ça. Donc, on arrive là. Ouais, lorsqu'on marque formule là, il y a un mot. Look up value. Donc, qui value on va chercher. Ouais, qui value. Et mais ça, on va chercher, c'est ça. On clique sur lui. Virgule. Donc ensuite, je dis mais ça m'a cherché à dans qui tableau lié. OK, dans qui tableau lié. Donc je dis mais c'est dans tableau ça m'a travaillé. Bon. Donc quand il a demandé mais valeur que moi besoin de souris dans qui colonne lié. Donc c'est là qui problème. Attendez bien. Prends sang pour comprendre ça m'a dit là. Il m'a demandé mais puisque m'a cherché souris valeur que moi besoin de souris dans hein, qui colonne lié. Colonne index number numéro colonne. OK? Dans qui colonne ça m'a cherché à lier. Donc pas bien souvent les lettres alphabétiques ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5. OK? Est-ce que on va le dire donc il y a une cinquième colonne? Non. Attendez bien. C'est à partir de colonne que on travaille là. À partir de tableau que vous avez travaillé là, on va contrôler colonne. Attendez bien. À partir de colonne et tableau que vous avez travaillé là, c'est à partir de lui-même, on calcule nombre de colonnes. Produit 1, code du produit 2, quantité 3, et puis prix unitaire 4. Mais puisque c'est un prix unitaire en besoin, mettez 4. Mettez vegan. Donc, je dis true. Approximité match, force exact. Donc, soit vous mettez 0 ou bien vous mettez 1. Vous mettez 0, vous le dites faux. Vous mettez 1, vous le dites vrai. Donc, vous mettez 0 pour jouer un valeur exact. Mais vous mettez 1, le bon valeur approché. Donc, nous n'avons pas besoin de valeur approché, nous besoin de valeur exact. Et puis, nous fermons parenthèse. Qui sont donc, nous dit V lookup, qui c'est recherche V. Ici, c'est à partir de colonne qui trouvait. Cellule que j'ai besoin, on va prendre ma fonte montée. Ouais. Donc, c'est à partir de ça besoin, qui c'est souris. Donc, B6A jusqu'à
E13, ouais, B6 jusqu'à E13. Donc c'est à partir de là tableau maintenant les sélectionne. Donc 4 là qui ça me dédoulier c'est élément que moi besoin de les trouver dans quatrième colonne. Donc mettez 0 pour me donner une valeur exacte de ça m'a cherché à me valider. Donc qui sont. Donc là ouais souris valeur qu'on te chercher pour lui c'est 7.62. Donc c'est facile. Donc si toutefois me tablé tirer souris là. Me dit m'a mettez m'a dit scanner. Si vous voulez, ça est 23.80. Scanner 23.80. Donc, laptop là, c'est lui qui a commencé. On regarde pour nous. Laptop, je vais me valider. Ça est. À chaque fois, ça me tape à partir de formule recherche. Hein? Donc, il paraît normalement. Donc, on continue une autre façon pour nous dans le tableau. Ça. Donc, là, c'est produit. Hein? Ok? C'est produit, par exemple. Et si je mets produit. On va aller directement de un produit. Est-ce que là? On va aller directement, par exemple, si je mettais caméra là. Caméra. Et puis, là, à partir de ça, on va chercher prix. Ok? Là, on va mettre, on a dit 5. Et puis, qui ça a besoin de ça? C'est prix avec total 5 produits. Donc, mais qui ça me fait? On dit égal. On a Velcop. Mauvais parenthèse, hein? Qui ça me dit, on m'a dit, c'est valeur m'a cherché à qui c'est caméra. Est-ce que là? Virgule. Donc, tableau que m'a travaillé là, m'a sélectionné. Oula. Mettez virgule. Donc, ça est. Colonne, ça m'a besoin qui côté le trouver. Quatrième colonne. Mettez virgule. Donc, bon, après ça, m'a mettez 0 pour mieux nous valer. Exact. Je vais fermer mes parenthèses. Donc, bon, là, on ouvre une 13. Et, ça ouvre 13. Et si ça est 13, bon, c'est ça. Bon, moi, je vais 13. Est-ce que c'est 13 caméra en 13, ok. Donc, c'est ça. Donc, et puis, nous valider. Donc, puisque ça part en dollars, ou seulement aller là, ou formater là en dollars, bah, pas gagner, non? Là. Donc ensuite, donc puisque me besoin total là, ouais caméra, puisque me besoin total là, mais qui ça me fait? Me seulement dit total égal, mais c'est ça multiplié par ça et par ça, cabamon, pas gagné non? C'est 5 multiplié par 13. Donc évidemment que moi changer ça. On regarde pour nous. Si mettez écran, et puis me valider. Qu'ils auraient? Pas rajouter même bagage. Par exemple, si je mettais imprimante, invalidé. Ça so, après ça, tout, les changer. Donc, multiplication est toujours faite par rapport avec valeur de jeune pour rechercher VA. On va continuer. Donc, là, attendez, là, nous prenons aider. Calculer recherche VA par rapport avec et data validation. Tenez bien par rapport à data validation. Donc moi sélectionner produit mieux côté moi mettre produit mieux. M'aller dans data. M'aller dans data validation. Donc m'aller dans data validation, est-ce que là. Donc lorsque bon ça côté mettre all qui signifie et puis me cliquer sur lui. Donc m'aller sous liste. Et puis là, dans ce sous-là, je me liste mis à côté de lui. Je sélectionne. Donc, je vais sélectionner toute liste produit. Évidemment, et puis, je finis. Je vais sélectionner toute liste là. Et puis, je vais valider. Bah. Donc, à partir de là, liste là. Caméra. Speak souris. Donc, je vais appliquer formule recherche VA. Et puis, ça me dit égal V. Le cop ou là bel le cop excusez ok bel le cop donc valeur m'a cherché assez dans produit ça lié mettez virgule ok mais table moins besoin qui tablier c'est tableau ça
un sola un bien virgule qui ça on m'a dit colonne là qui colonne est toujours 4 donc là je mets des 4e colonne là seulement mettre 0 pour me dire besoin valait exact et puis me faire une parenthèse même valide un sola après souris là aller dans tableau produit hein? Ouais 7 minutes donc si besoin appliquer ça seulement fait contrôle c et puis maintenant m'applique le tout pas gagné non toi ça ouais là ouais 5 minutes ça li bam valer ça est cela donc ça c'est comme ça lié pas bien que ou même qui pourquoi abonner fait ça activer cloche notification pour suite exercice pour pas rater rien par exemple si on doit changer hein expliquer toi li facile donc ou même qui pourquoi abonner elle fait ça non ouais donc 23 cam scanner 23,80$. Donc après, limite bien parce que les balles valaient qu'il mesure. Ciao, ciao, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.